Et donc, salut tous, ici Monsieur de Fâché, vous voyez rien encore à l'écran, c'est normal. Car aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série, entre guillemets, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, sur The Witcher 2, à quelques jours de la sortie de The Witcher 3. Car je ne connaissais pas, on m'a dit, bah, test, tu verras, c'est trop cool, et effectivement, c'est trop cool. Donc, j'ai fait le prologue. Donc, là où on dit, ah, il y a eu, je vous la fais court, y a un roi, il y a nous, qui sommes quelqu'un de bizarre. Comme dans Skyrim. Il y a un méchant, comme dans Skyrim, qui a tué le roi, et nous, on est en plein milieu et on nous dit que c'est nous l'assassin. Donc le titre du jeu c'est Assassins of King, donc l'assassineur de roi. Voilà! Donc vous allez voir quelque chose à l'écran. Voilà, c'est bon. On peut reprendre. J'espère que le son n'est pas trop fort, je vais peut-être baisser un peu le son. Sont fortes. Le dialogue, je laisse un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, c'est l'acte 1. Nous sommes Geralt de Rive, sorceleur, mec bizarre, et nous allons. Flotsam ne devrait plus être loin. Nous passerons par la plage. C'est qui, nous? Toi et moi, en reconnaissance. Je viens aussi. Reste en retrait. Nous ne savons pas ce qui nous attend. C'est précisément pour ça que je viens. Quelqu'un doit veiller sur vous. Oh, de la connerie, c'est bon. Un surcroît d'hormones. J'ai la berge en direction de flotte ça. Eh bien. Quelques lags. Il va falloir mouiller ton petit cul de sorceleur. Saute. Oh, 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 il va me parler Quelque trop, chose se trame. Je crois que j'ai récupéré. Je devrais peut-être baisser la qualité de mon jeu au final. Armure plus 2, ça fait vitalité plus 5, résistance à incinération, au saignement, poison et le truc. Résistant, mais ça fait une armure plus 5. L'autre c'était quoi? Là on avait une armure plus 4. Là c'est une plus 2. Ah oui putain. J'arrive pas à lire les deux. Magique et épique donc. Moins bonne en armure mais il y a plus de trucs et plus de vie. Donc je vais garder en armure de base. Ah, un truc que je vais voir avant. Allez, dépêche-toi. Oui, attends, c'est bon. Est-ce que quand on voit, porte ça, il y a un changement? Oui, donc on peut avoir un style en plus, donc je vais très bien. C'est juste ce que je voulais savoir. Donc, mes gants. Mes gants sont épiques, réduction nickel. J'ai pas d'autres bottes. Non. Veste d'esprit bleu, pantalon, plus 5 à l'ascension, celui-là est nickel, pantalon de magicien, mettre des bottes, j'ai pas d'autres trucs à mettre en épée, non, c'est bon, on y va. On t'attend, sorceleur. C'est bon, on va se calmer, hein. Allez, c'est parti. Des nouvelles de votre informateur secret? Le port est bloqué. Certains marchands y sont retenus depuis des mois. Et les routes qui traversent la forêt? Yorvet contrôle la forêt. 54, moyen, moyen. J'essaie d'augmenter ça pour le prochain épisode. Je peux même essayer d'augmenter ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est le début, c'est normal. Il y a plein de trucs qui prend. Hop, on va couper ça. Shava qui tourne des côtés aussi. Steam, je peux pas le couper. Hop. De la chance, ça suffira. Je suis aussi en train de télécharger GTA 5 sur Steam. Donc 12 gigas, il me reste encore pas mal de gigas à télécharger. Mais que de la chance, on aura un peu plus de. Moins de lag vu que j'ai pris Steam. Ça a pas l'air de. Où sommes-nous? Dans une forêt? Wow. Très drôle. Mais à qui appartient-elle? Yorvet, peut-être. J'en connais plus sur la vallée du Pontard que tu ne crois. La preuve, Yorvet a volé ses terres à Demavent il y a quelques années. Tu as joué un rôle là-dedans. J'apprends des choses. Je ne connaissais pas du tout l'univers, donc là je prends encore un peu des personnages. Ça sent l'elfe. Ça sent l'elfe, Fernand Roche. Ils sont racistes. Ce jeu, il y a beaucoup de racisme dans cette société au final. Ah, donc lui c'est un elfe qui a rencontré notre assassin. Et qui l'a sûrement aidé. C'est
Vernon Roche, commandant des forces spéciales depuis 4 ans. Serviteur du roi de Temeria, responsable de la pacification des coteaux de Mahakam. Chasseur d'elfes et tueur invétéré de femmes et d'enfants. Deux fois décoré pour sa distinction sur le terrain. Yorvet, un banal fils de putain. J'ai longtemps langui de te rencontrer. Les plans, les pièges. Et voilà que tu apparais chez moi de ton propre chef. Tu as aidé l'homme qui a tué mon roi. Roi ou mendiant, quelle différence. C'est toujours un douane de moins. Depuis quand? Un tueur, il est vrai. Mais c'est loin d'être un douane. Laisse donc un peu les races de côté. C'est pourtant le nerf de notre guerre. Nos oreilles sont pointues, les vôtres rondes. Notre longévité compense notre petit nombre, alors que vous proliférez comme de la vermine. Humains et elfes, tentant de prouver quelle forme est la meilleure. 400 ans de tuerie, au nom de la forme du pavillon auriculaire. Le tueur de roi est avec toi. Nous sommes là pour lui. Alors nos intérêts s'opposent. Le tueur de roi est sous ma protection. Je ne peux livrer un invité. Tu n'es qu'un vieil elfe dans un corps d'enfant, usant de grands mots pour masquer une vérité pourtant évidente. Évidente, dis-tu? Il ne s'agit pas de race ou de liberté, ni même de vengeance. Tu es là car quelqu'un t'en a donné l'ordre. Quelqu'un qui te manipule. Ce peut être un roi, un mage puissant, ou même un chef de guilde. Sois sûr d'une chose, ce n'est pas pour ta liberté, tes droits, ni tes oreilles. Nilfgaard t'a baisé, et maintenant c'est au tour d'un autre. Je me trompe? Cette époque est révolue. Plus personne n'abusera des Scoia'tael. À qui parles-tu? À moi? À toi-même? Ou aux archers dans les buissons? Arrête tes conneries! Meurs! Parlez! J'ai une langue bien précise, les elfes. Ah, c'est le combat. Je suis sorceleur, Ariel, cette magicienne. Ça devrait les décourager. Il fait des papillons. Triss, tout va bien? Charmant. Tu as manqué les archers, ils arrivent! Enfin, j'ai pas tiré, j'aurais loupé. J'ai un petit peu avec la sauce. Bon, Geralt, le sort agit encore, reste à côté. Qui est-il? Protéger Triss vers le. Triss est épuisé. Alors finis les papillons, foutons le camp vite fait. Retour au bateau. Il y en a encore plus par là-bas. On va jouer des coudes jusqu'à Flotsam. Vire tes sales pattes de mon cul! Tu croyais que c'était qui? Je ne suis ni un objet, ni un de ces hommes, mais une femme! J'ai remarqué. Elle parle alors qu'elle va très bien. Au moins, je mourrai un beau cul entre les mains. Oh, pas le mien. Je vais tenir le sein. Allez, on en va! Vous verrez, je remarquerai. Elle va me secouer, je dois me. Ouais, le son est quand même fort. On va dire que c'est le premier épisode, c'est l'épisode de la configuration. Il y a tout qui va pas en faire. Enfant de putain! Douane! Douane, ça veut dire. Il est où ce putain de comptoir? J'ai l'impression qu'on va y arriver. On va prendre peut-être un elfe sous notre. Fais vite! Allez, encore un peu de magie! Juste un peu! D'accord, c'est mieux en fait. Allez, bute-les! Lui, il est avec nous. Voilà. Putain, pour le. Mort à Loredo! Voilà. Mais vu qu'il était tout seul, ça va servir à rien, ça va confuser une barre de compétences. Hey, en parlant de ça, j'ai fait. Non, pas ça. J'ai encore un petit peu de mal à gérer le truc. Amélioration à prendre. De talent. Voilà. Alors.
de lancer des dagues. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? On permet de renvoyer les flèches. Ça peut être intéressant. Et là, voilà. Voilà, on atteint, on commence à avoir quelque chose de plus sympathique. Envoyer les flèches, je suppose que c'est un parent. Ils ont un mage. Tenez-vous prêts. C'est pas nous les Scoyatelles. C'est un jeu comme Skyrim, beaucoup plus scénarisé. Mais j'ai très scénarisé, je trouve ça très sympathique, j'ai une histoire. Pourquoi il ne tire plus? Je lui botter ses fesses à ce garçon. Vous vous connaissez? Assez, oui. Mais il est amnésique. Merde. En fait, j'ai pris le sorceleur par surprise quand j'ai tué Foltest. N'aie crainte, elfe. Je connais Geralt. Et surtout sa faiblesse. Triss. Forcément. Alors que l'assassin du roi est aussi un sorceleur. Trop de sorts d'un coup. Ça peut tuer, ça. Tu vois? Oui. Le tueur de roi est Yervet. Vous êtes en un seul morceau? Qui êtes-vous? Un sorceleur. Emir Varemreis, marchand d'épices. Commerçant. En épices. Et elle? Cher ami, nous venons de frôler la mort. Vous seriez bien aimable de nous indiquer un endroit où nous reposer. Vous saurez tout. Très bien, allez vers le marché. Vous y trouverez une auberge et un bordel. Vous serez peut-être à l'heure pour l'exécution. On prend des bons à rien. Oh, un bordel, mais quelle excellente idée. Prenez soin de vous. Alors, faisons un petit tour dans cette marchand ville. Marchand d'épices. Tu parles. Les écureuils sont devant nos murs. Les écureuils devant les murs. Yervet est à leur tête. Je l'ai vu. De mes yeux vus. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ceux que les elfes pourchassaient. Ah, les écureuils, au c'est plein jour. Faut-tu beau grenouilles. C'est tout que je peux récupérer. Il y en a pas. J'aurais dû mettre un toit. Les écureuils ont... Yervet. Il est très recherché, on dirait. J'annonce par la forte qu'une récompense atteint quiconque tuera le Kéran, la petite bête du fleuve. Oh, bien. Ça me lavera les pattes, au moins. J'aurais dû mettre un toit. Les écureuils ont invoqué la pluie. Les enfoirés. Recherchez mon riff, Lef Yorveil, chef des écureuils. Ouais, donc les elfes, c'est bien les écureuils. Attends, tout ce qu'on peut revendre. En plus avec la pluie ça apprécie moyen, 50 fps. Prochain épisode je ferai mieux. J'aurais dû mettre un toit. Un humain et un espion. Pareil que l'espion est un lâche. Toi qui t'y connais. Pareil que c'est quelqu'un d'exceptionnel, une personne exceptionnelle qui va se retrouver au bout de la corde, selon la voix de l'introduction. Le gentil Toto il a... Et un espion. Ce poète est accusé de débauche. Je ne laisserai pas un chien d'or. C'est quoi ce signe là-bas? Quartier des non-humains. Le quartier. Ah, c'est une forge donc ceci. Bonjour à toi, non-humain. T'es un non-humain? Je pense que t'es un non-humain. Eh, parle-moi. C'est pas grave. Sinon, je peux pas passer là. Je peux fouiller, c'est bien ça. Donc j'ai vu que j'avais pris un niveau. Ça pourrait me servir. C'est quoi ça? Je peux voir la porte, dommage. Il y avait un truc. Chercher mon vif. Waouh! On va attraper quelqu'un. Sorceleur. Bonjour. Mes hommages, loup blanc. Mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce qui vous amène? Vous qui me connaissez. Je vous connais.
J'ai beaucoup lu sur vous, notamment dans les lettres écrites par la diaspora de Rivia. Eh bien, enchanté. Enargozel. Je gagne ma vie en revendant de vieux bibelots. Je dirige aussi la communauté non humaine. J'aimerais changer de coupe de cheveux, youpi. J'ai une queue de cheval d'écureuil. J'aimerais avoir des cheveux à la mode elfique. Une natte de nain, s'il vous plaît. Je pense qu'une coupe de marin m'irait bien. Queue de cheval. Queue de cheval rasé sur le côté. J'aimerais une coupe de citra. Allons donc. Payons. Prends mes 40 pièces d'or, paysan. Bon, ça change rien avec ma... mon petit truc sur la tête, mais on verra bien la prochaine fois que... Je te vole, tu m'en veux pas. Ah oui, mais tu peux... Je peux regarder vos livres. Évidemment. Je vous en prie. J'ai déjà commencé à les prendre de façon. Marchandons. T'as que des livres. Livre contient... des informations sur la fille de Foltest. Ça fait cher le livre pour avoir des informations sur la fille de Foltest. Ce qu'y a-t-elle, on a déjà le bouquin La Société Féodale et ses ennemis. On va peut-être regarder. Et puis, ouais, c'est des bouquins. Je vais lui rendre peut-être quelques trucs sympathiques. Des anneaux de fer, 15, j'en ai 5. Non, mais, ah oui, non, 15 euros le total, ok. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à prendre? Tac, 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 tac. 12, cervelle de noyeur. J'évite de tout donner en fait parce que je sais pas ce qui pourrait me servir. 4, 10, 10, 12, 12, 12, 20. Du fer. Avec composant du fer, ça peut être sympa pour faire des armes. On va peut-être rien. On va rien vendre pour l'instant. On va voir. J'apprends encore à manier le jeu, hein, je suis désolé. Il y a pas de truc. Si vous retournez voir un marché après 24 heures à vos stocks, vous pouvez nous acheter, c'est bien. Ok. Je sais qu'il y a un système de poids, j'ai pas trop vu encore les informations exactes. Inventaire, on va aller voir. Poids 127 sur 250, ok, bon, c'est trouvé directement. Marteau, hein. Cool. Je sais pas où j'ai trouvé ça. Merde, je retire mes gantelets, forcément. Tiens, marteau, je peux pas prendre le marteau, là. Ah bah. Toi, c'est plus long. Ah, faut que je mette une épée en argent à droite, ok. J'ai récupéré mon épée, c'est déjà ça. Ah merde, j'ai plusieurs gantelets donc. Pantalon. C'est mieux, on l'avait déjà dit. Une nouvelle veste. Oh. Armure plus 3, résistance au poison, résistance au saignement. Les gantelets. Alors, on a gantelet d'arboriste, gantelet en cuir. Gantelet en cuir, ça me donne quoi? 15, 5, 1, 1, ok. Prendre le gantelet de base. Pour l'instant, on n'a pas de meilleur stuff. Ah, il refait beau, c'est mieux, c'est plus agréable. On prend des ans en place publique, allons voir. Place publique de Flotsam. Zoltan, Jaski, mon informateur. Son informateur. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Je veux pas de mort. On s'en charge. Mais t'es un petit peu fatigué, toi, Trace. Geralt! Geralt! Par ici! À l'aide! Pour la volonté des trois moyens de libérer Zoltan. Ramasse merde! T'as un problème? Okay. Comment je peux faire? Arrière, le blanc! Le blanc? Que se passe-t-il ? Vous n'avez pas le droit de prendre le nain ni le barde. Vois, je ne laisserai pas ces deux-là se faire pendre. Rien à foutre ! La loi dit qu'il faut les pendre ! Continuez, et vous les rejoindrez. Pourquoi les pendre ? Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils ont conspiré avec les Skoyatel. Jaskier ? Un espion elfe ? Le barde, on le pend pour débauche. Débauche ? Quoi ? La sentence est tombée ! Il est condamné pour débauche! Et on ne se moque pas d'une sentence! C'est ça, sérieusement? Votre perception de la justice? Écoutez, vous autres, la débauche est-elle devenue un crime répréhensible dans le royaume libre de Temeria? Débauche, on c'est se quoi, croirait à Nilfgaard! La ferme, le monstre! Tu vas avoir affaire à moi! Tu gâches la fête! C'est hors de ma vue! Monstre, mais il a raison!
La débauche est mon passe-temps préféré, et je n'aimerais pas qu'on me passe la corde au cou à cause de ça. Le petit soldat est passé une fois ou deux, mais il a pas eu l'air de s'amuser. Fiche le camp, Margot! Retourne dans ton bordel! Ah, fiche le camp, débauche. Bien. Mais avant, écoutez ça. Il a beau s'en vanter, sa verge n'est pas des plus vaillantes. Arrêtez l'exécution! Ferme-la! On prend le ménestrel! C'est une ville respectable ici, hormis les prostituées et les sorceleurs. Ok, bah je vais putain. Ce que tu dis, garde! Je ne connais pas les sorceleurs, mais Margot est une brave femme. La ferme tous! Ou je ne réponds plus de rien! Okay, il se croit fort avec ses petites courges, mais je peux vous dire que j'y ai vu le mildiou. C'est le dernier avertissement, oh là là, Margot! Comment le clash sur la taille tu de ne frapperais pas une dame? Tu n'es pas une dame! C'est moi qui veux frapper, viens frapper. Là, je t'attends, mon con. Sale monstre! Allez, viens, coup de pied! Hop! Tête! Tac! Non, mais. Non! Oh non, c'était une elfe. Je regarde contre les elfes, il y a l'air. Le mec, il a vu. Ouais! Ok! Allez, viens! D'où tu te permets de prendre des gens? Ouais, par contre, j'avais appuyé dessus. Allez, recule, fumier! Recule! Voilà! Ne te relève pas! Putain, il y a des têtes de Batman! J'ai tabassé Batman! Quoi la vie? Je pends des gens avec un masque de Batman. J'arrive à être dans une ville et je fous déjà la merde. Vous avez eu ça? On peut me dire ce qui se passe ici, bordel? Attends, j'ai demandé ce qui se passait ici, bon sang! Monsieur, laissez-moi vous discuter. Dégagez la fleur! Vous n'êtes même pas foutu de pendre une poignée de bandits! Et vous, on se calme. Lâchez votre épée. Sur l'échafaud, soit on parle, soit on pend. Qu'est-ce que ce sera pour vous? On va parler. Vous ne pouvez pas les pendre. Intéressant. À Flotsam, la loi, c'est moi. Ah bah, je vais te buter, mon gars. C'est là que j'interviens. Vernon Roche, officier du roi. Tiens, tiens. Les stries bleues. Les chasseurs de non-humains. Précisément. Quiconque est soupçonné de traiter avec les Scoia'tael tombe sous ma juridiction. Et Jaskier, de quoi l'accuse-t-on? Il a brûlé une tour de guet. Elle en dit quoi de ça, votre juridiction? C'est bien ce qui me semblait. C'est vrai? Ça donnait cette impression. Mais j'y suis pour rien. Qui est pour rien? Plutôt vous donner un voleur. Du calme, je plaisante. Je déteste les voleurs. On peut monter un autre spectacle. Sérieux et bien sanglant cette fois. Ou on peut essayer de s'entendre. C'est-à-dire? Un instant, sorcier. Écoutez! Vous avez peut-être entendu des rumeurs sur les événements tragiques qui ont eu lieu au château de Lavalette. Malheureusement, elles sont vraies. Le roi Foltest est mort. Il semblerait que les Scoia'tael soient mêlés à ce sale crime. Il est donc clair qu'aucun d'entre vous ne peut se sentir en sécurité. C'est pourquoi, aujourd'hui, des chariots remplis d'armement parcourront les rues de Flotsam. Je déclare à présent l'état d'urgence. Attendez les ordres et préparez-vous à combattre. Soyez prêts à venger la mort de votre roi. À présent, rentrez chez vous! Jaskier Zoltan sont libres. Et pour eux? On ne les pend pas pour le moment. Disons que je reconsidère l'affaire. Très bien. L'échafaud n'est pas le meilleur endroit pour une conversation courtoise. Allons chez moi. Vos amis sont libres pour le moment. Mais qu'ils ne quittent pas la ville.
Là, j'ai affaire. Venez me voir au crépuscule. Encore une chose. Bienvenue à Flotsam, sorceleur. Merci, ça fait plaisir. Mais il comptait vraiment nous pendre. J'ai jamais voulu incendier cette tour. Très bien, Jaskier. Fichons le camp d'ici. Entrevaudra ça, sorceleur. Merci. C'est l'heure de la taverne. Bien, Jaskier. T'as besoin d'un remontant. Et tant qu'on y est, je te conterai une histoire sur l'hypocrisie locale qui dissimule la lubricité sous une couche de courtoisie. Sauf que rien ne peut masquer la puanteur. Zoltan et Jaskier. Très bien. Eh ben, arrêtons-nous là. Ça fait déjà 26 minutes. Waouh. On se retrouve pour le deuxième épisode si ça vous plaît. Donc je poste ça tout de suite sur YouTube, on verra bien. Et donc salut à tous, c'était Monsieur Deadflash. On se retrouve pour une prochaine vidéo de The Witcher 2 Assassin's of King sur la chaîne YouTube Monsieur Deadflash. N'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur Facebook et Twitter @MonsieurDeadflash. Et mettez un pouce vert si vous avez aimé. Donc salut à tous, c'était Monsieur Deadflash et à la prochaine.